C'est bien ça. Salut à tous les amis, Sarantin68. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous pouvez voir en fond, je vais vous présenter. Enfin, je vais continuer tout simplement à vous présenter ce que j'ai fait depuis la dernière fois sur mon magnifique château Minecraft. Donc là, hop, franchement, j'ai quand même bien bossé là-dessus pour faire cette muraille. Donc, je sais, c'est pas la plus jolie des murailles. Je verrai pour quand même faire. Peut-être répéter ce genre de pattern plus bas parce que c'est vrai que là ça fait genre vraiment un mur mais genre c'est pas, il n'y a pas beaucoup de relief ou quoi que ce soit encore comme ici là c'est pas très haut, vous voyez c'est pas choquant, c'est vraiment pas choquant, mais après voilà comme là-bas c'est très très haut, vraiment c'est un petit peu vide je trouve. Alors avant de vous montrer tout simplement ce que j'ai fait dans le donjon, je vais tout simplement vous demander, est-ce qu'ici j'aimerais mettre plein de maisons comme ça dans mon petit village. Et j'aimerais vous demander quelle maison vous préférez. Alors moi je sais pas, je pense que celle-là elle est quand même mieux. Donc voilà, petit X s'affiche en haut à droite de votre écran. Donc soit maison 1, donc c'est celle-là. Soit maison 2, alors je vais vous un peu les présenter. Voilà, ici un petit four, on a ça. Voilà. Après, je pourrais toujours changer, hein. Je pense l'intérieur, comme ça, je le changerai suivant les différentes maisons. Là, je sais pas trop quoi mettre, j'ai mis des bannières, je sais pas trop quoi foutre. Hop, on va juste hop, mettre ça comme ça là. Et je pense que elle peut être plutôt pas mal, quoi. Ça peut être vraiment, vraiment cool. Franchement, celle-là, je l'aime vraiment quand même bien. Avec des toits assez pentus, une petite cheminée. Alors j'ai pas mis de vitres parce que au Moyen Âge les vitres c'était que pour les riches. Alors voilà comme ceux-là ils sont pas très riches hein. C'est vraiment le roi le plus riche du royaume. Donc ceux-là ils n'ont pas de vitres. Donc voilà ici on prend. Alors ici j'ai pas encore fait la déco en fait à l'intérieur. Mais voilà ce serait ici on pourrait faire quelque chose. Alors ici c'est un petit peu bizarre. Ouais j'ai pas vraiment fini. On devrait mettre des escaliers comme ça. Voilà c'est déjà un petit peu mieux comme ça. Donc ici en fait ça sort d'un bloc en plus en fait si vous voulez. Donc voilà ici ça ressort un petit peu. Ici je sais pas si je l'ai fait. Si je l'ai aussi fait un petit peu. En fait c'est pour faire un petit peu aussi. J'aimerais bien faire en fait des rues étroites un petit peu cachées de la lumière par ces toits. En fait j'aimerais bien faire ça. Après dites-moi aussi si vous préférez simplement la 1 ou la 2. Mais si par exemple vous préférez je sais pas la 2 mais que à la place vous préférez tout simplement qu'il y ait du bois ici. Vous voyez si vous voulez qu'il y ait du bois ici bah, dites-le moi en commentaire. Moi je les lirai avec joie. Parce que voilà j'aimerais bien aussi avoir l'avis de d'autres personnes pour finaliser tout simplement ces petites maisons. Parce que en fait, ou alors peut-être que je pourrais prendre une des deux, enfin même les deux quoi en fait. Et tout simplement, si en fait je vais dupliquer à plusieurs endroits, je pense que je vais prendre peut-être les deux. Et puis un petit peu changer sur certains trucs parce que voilà, si on fait juste du copier-coller, c'est pas forcément joli. Alors voilà, l'intérieur tout ça, ce sera différent sur chaque maison je pense. Mais donc voilà, juste petit sondage, donc... Franchement, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel est votre préféré. Alors ici, j'ai déjà commencé. Alors là, pour l'instant, ici, ça fait encore un petit peu vite, ça fait un peu moche. Mais en fait, si vous voulez, tout ça, là, tout ce qui est en pierre, là, si vous voulez, c'était une énorme montagne. Enfin, un petite montagne comme ça. Et je l'ai enlevé pour pouvoir faire la cathédrale. Voilà, une petite cathédrale. Bon, elle sera pas immense, vous voyez quoi, c'est une espèce de plus grande église si vous voulez. Mais voilà, j'ai déjà fait ça pour voir à peu près les blocs orange. Ça veut dire que ce sera une ouverture, donc on rentre par là. Après ici ce sera ouvert, là ce sera enfin deux dômes comme ça, de demi-cercle. Je pense que ça pourrait rendre vachement bien. Alors maintenant je vais vous montrer tout simplement le donjon, ce que j'ai fait dans le donjon. Ah oui, et juste avant... Bien sûr, là je vais mettre, hop, j'ai pas encore fini, je vais mettre une tour ici, et je vais faire passer, hop, ici, hop, la muraille, donc ça j'ai pas encore fait, mais je vais bientôt le faire. Donc enfin, voilà, donc ici, hop, on peut fermer, voilà, comme ça, et après on peut ouvrir si on veut, alors je sais pas, de là, comme ça fait un petit peu moche, je trouve, à voir, après quand c'est fermé,
Moi, je trouve ça rend bien quand c'est fermé. Mais quand c'est ouvert, c'est vrai que encore, ça aurait dû être plutôt de ce côté. Si ça s'ouvre comme une porte. Enfin, d'ailleurs, je vais essayer de faire ça pour voir. Non, je crois pas que c'est possible en fait de faire ça. Donc, c'est pas grave, tant pis. Mais c'est vrai que ça aurait été bien qu'elle s'ouvre comme les portes. Parce que comme ça, quand on ouvre, ça aurait été sur le côté, ça aurait été beaucoup plus joli. Alors, voilà la magnifique salle du trône. Enfin, magnifique. Personnellement, je la trouve bien, mais sans plus. Hein. Je la trouve bien sans plus. Donc là, on a des blocs d'or avec des plaques de plession. En dessous des tapis, normalement, on a des lumières. Alors, je sais pas où elles sont, ces lumières. Ou alors, j'en ai pas mises. Je sais plus où j'ai mis des lumières. Bah, je sais que j'en ai mis, je crois, sous les tapis. Mais voilà, je suis pas 100% sûr. Parce que je crois que ça éclaire déjà pas mal. Mais voilà, un petit trône où je peux me mettre. Voilà, quand les sujets viendront me demander de l'argent. Et je pourrais leur dire tout simplement, allez vous faire foutre. Bon, sinon, à part ça, donc voilà, la petite salle du trône, donnez-moi, si vous voulez, des petits trucs pour la modifier, qu'elle soit plus belle, remplace ça, fais ça, machin, tout ça. Voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, hein, en commentaire. Donc là, si on monte les petits escaliers, on arrive tout simplement au premier étage. Donc, premier étage, déjà, là, il y a des vitres, hein, parce qu'ils sont riches, voilà. Ici, c'était quoi? Ici, c'est les toilettes, voilà, tu peux chier, là, tu peux chier, tu vois. Waouh, 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 il se calme le tonnerre. Ouais bah hé, voilà quoi, le petit tonnerre là. Waouh, mais que... Alors déjà le tonnerre, tu te calmes hein Michel. Et ça j'ai pas fait gaffe en fait. Mais je me sens pas que... Enfin je sais pas. Non je me souviens pas qu'il y avait ça, ce petit bug là. Enfin c'est pas un bug mais simplement que les torches étaient dans le tableau. Je me souviens pas. Donc voilà, le lit du roi et de la reine. Bon là, pour les coffres j'ai encore rien mis. Je sais pas trop quoi mettre, alors là j'ai mis des tableaux. Voilà, un petit lit comme ça, enfin un petit lit. Façon de parler hein, parce que quand même, si tu dors là dedans, tu dois être bien. Il est bien grand. Juste en face, on peut bouffer. Donc là avec le roi et la reine ici. Je sais que c'est pas très grand, tu vois, tu peux pas mettre beaucoup de personnes et tout ça. Mais voilà, le donjon, en fait, je me rends compte qu'il est très très petit. Mais en fait, même le château est petit parce que je voulais faire plein de trucs. En fait, j'ai plein d'idées. Mais en fait, je l'ai fait beaucoup trop petit, le château. Et mais bon, c'est déjà pas mal ce que je veux faire, je trouve. Surtout, je me lance tout seul dans cette grande aventure-là, donc... Je pense que c'est déjà pas mal ce que je fais. Donc si je sais pas, c'est une espèce de salle de bain, appelle ça comme tu veux. Voilà, tu peux te maquiller, te mettre du déo. Non, bien sûr, hein, il y avait pas de déo et eux, ils puaient la grosse merde. Sinon, si tu montes encore, hop. Mais calme-toi, le tonnerre, je t'ai dit. Voilà, donc, je vais baisser un petit peu la musique parce que ça commence à me saouler. Voilà. Alors ici, deux petits lits, alors je ne savais pas avec quoi faire, voilà, je sais, c'est dégueulasse, hein, voilà. Donc ici, pareil, un truc à la salle de bain en bas. Ici, je voulais faire un petit peu comme un miroir, vous voyez, avec comme la personne, genre tu te mets là, tu te regardes dans le miroir. C'est pas ouf, mais bon, voilà. Alors tu sors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, ici, la cuisine. Avec simplement, ici, genre, comme une espèce de grande casserole, tout ça, enfin, tu vois, où ça cuit avec le petit couvercle, là, ici une soupe, un pot, voilà, les petits fumoirs avec la source de chaleur, ici on peut ranger plein de trucs dans les tonneaux, ici encore des tonneaux, ici pour faire la soupe là-dedans, enfin, voilà, un bon petit, une bonne petite cuisine que je trouve vraiment cool. Ensuite ici, ah oui, alors là, ici je sais vraiment pas quoi mettre. Alors je dis que ici c'est les femmes qui font les tapisseries, genre ça là, ces trucs par exemple là, une exposition. Et ben par exemple elles font ça avec le métier à tisser, voilà. J'avais pas trop d'idées hein, franchement. Alors là j'ai fait tout simplement, voilà, ici il peut dormir, hop. Voilà, il se met comme ça, il dort là, voilà. Donc ici c'est simplement en dessous. Pas les cages, la prison quoi. Mais franchement, je trouve que c'est vraiment de la grosse merde, hein, on va pas se cacher. Donc je pense que je vais faire plutôt un escalier comme ça qui descend. Et que tout en bas. Voilà, donc lui il a un truc de luxe, hein. Voilà, truc de luxe. Oups. Hop, voilà, sinon il va s'enfuir. Donc ouais, je pense que je vais plutôt faire sous le donjon, quoi, sous le château.
plutôt une grande salle, tu vois. Parce que là, c'est tout. Non, là, j'aime pas trop, tu vois. Je pense plutôt que je vais faire un escalier comme ça qui descend vers une salle en bas. Et simplement dans cette salle, il y aura tous ces prisonniers. Alors ici, nous avons les dortoirs du personnel. Donc voilà, avec tous les lits, voilà, tu peux monter à l'échelle pour aller sur le lit d'en haut. Ici, les petites tables, voilà, machin. Ici, le lit, un lit. Et hop, ici, il y a tout simplement, en fait, qu'on appelle ça. La sorcière, le sorcier, voilà, un petit peu magique, avec sa petite table d'enchantement ici. Et ici, il peut faire des potions de sorcellerie, oh my god! Bon, écoutez, je crois que c'est un petit peu près tout. Je vous ai un petit peu tout montré, en fait, ce que j'ai fait. Mais comme dit, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez, par exemple, que je chante, par exemple, pour la salle du trône, comme ça. Si vous trouvez ça, genre, vraiment moche, et que, voilà, donnez-moi des petites astuces pour rendre ça plus joli. Écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un énorme like et à commenter si la vidéo vous a plu. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!